Allô tout le monde! Aujourd'hui, je décide de vous faire un vlog. On est lundi matin, je sais pas, je le vois pas. Et là, c'est ça, je viens juste d'arriver à mon école. Et ce matin, j'ai juste un cours de 8h à 11h, mais j'ai une présentation orale, donc ça me tombe plus ou moins. D'habitude, je suis quand même pas pire en oral, tu sais, j'ai pas pris de texte par cœur, je connais mon sujet, puis je pense que ça va bien aller, mais... On sait jamais, en tout cas, je pense que c'est correct. Et c'est ça, j'étais avec Marie-Kim et Valérie, puis on fait un oral sur l'émission 1 sur 2 qui passe à TVA. Donc, avec Claude Legault et tout ça, là, c'est dans mon cours de télé et société, là. Fait que c'est vraiment chill comme cours, puis comme oral surtout, là. Donc, c'est ça. Après ça, je pense que je vais rester un peu à l'école avec Marie-Kim puis mes amis parce que ben je les aime trop, fait que j'aime ça être avec eux. Puis là, il y a une espèce de bébé dans mon char, c'est vraiment... C'est comme... Mais bref, c'est ça. Puis aujourd'hui, je voulais surtout vous vlogger parce que j'ai quelque chose d'un peu plus spécial et le fun. Ce soir, vers 6h30, moi et Marie-Kim, on s'en va à l'enregistrement de l'émission Ça finit bien la semaine qui passe aussi à TVA. On dirait que je fais comme publicité pour TVA, là, mais... Bref, c'est comme une première partie pour son cadeau de fête parce que moi et Marie-Kim, on va toujours assister à des émissions de télé. Là. On trouve ça vraiment fun. Puis moi... Vu que je vais devenir animatrice à la télé ou à la radio, peu importe, j'aime vraiment ça être sur un plateau de tournage pour voir comment est-ce que ça se passe, puis comment est-ce que l'animatrice, animateur, bref, peu importe, se débrouille tout ça, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Et là, j'ai vraiment mal au bras. Oh my god, je suis tellement pas fond. Puis c'est ça, fait que je pense pas pouvoir filmer durant l'enregistrement parce que c'est pas live, là. Je pense que le premier épisode va être diffusé vendredi. Mais bref, pour ceux qui savent pas en même temps c'est quoi, là, c'est un genre de talk show où est-ce que Julie Bélanger et José Godet reçoivent des invités là, comme de tout le monde. Puis je sais que ce soir, il va y avoir Marie-Lou et Alexandre Champagne de 3 fois par jour. Fait que je suis vraiment contente, là, c'est principalement pour ça que j'ai choisi cette date-là aujourd'hui. C'était comme des invités plus intéressants que d'autres. Et c'est ça, là, José Godet, je pense c'était bel et bien un gars des grandes gueules, si je m'en vais bien. Et Julie Bélanger, c'est une animatrice qui est à Rythme FM, qui a été à TVA, elle a fait Deux filles le matin, elle a fait Les chefs à Radio-Canada, elle a fait plein de choses. Puis moi, j'ai rencontré la dernière session parce que dans mon cours de presse écrite et radio, je devais faire une interview avec une personne connue, puis j'avais choisi elle, fait que j'ai une interview avec elle, puis elle était tellement fine, sincèrement, elle m'a fait comme visiter tous les studios d'énergie. Pas d'énergie. De Rythme FM, pardon. J'avais rencontré Mitsu, j'avais rencontré Sébastien Benoît. C'était vraiment chill. Puis, c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. C'est peut-être pas super intéressant. Mais bref, j'espère que vous avez aimé mon vlog aujourd'hui. Puis là, je vais y aller parce que j'ai mon horaire dans comme 10 minutes. Puis il faut quand même que je monte 4 étages. Puis laissez-moi vous dire que le matin à 8h, là, c'est vraiment peiné monter 4 étages. Donc, justement, vous parler, rentrer en classe avec mes amis. Ou sinon, après le cours, le Marie-Kim va sûrement prendre possession de ma caméra encore une fois, donc on va se revoir plus tard. Est-ce que ça marche? Ouais. Non, filme pas mal. Bonjour les amis! Alors, nous sommes effectivement le lundi matin, on est le 15 septembre, et puis je suis présentement avec Jessica, Annie-Claude et Valérie. Valérie est un petit peu morte sur le bureau. Nous sommes présentement dans le cours de fiction, télé et société, et puis nous avons aujourd'hui des présentations orales. Donc Jessica est stressée par mille parce qu'elle est toujours stressée. Ah oh non, elle est pas stressée aujourd'hui. Mais bon, elle est sûrement stressée pour d'autres choses. Il est 7h54 du matin. Alors, voilà. Le réveil est pénible. Mais non, le réveil est pas pénible. Le réveil est jamais pénible quand on va à l'école voir Jessifou et Anifou et Valérifou et tout le monde. Ça me trop. Franchement, une mèche de cheveux. Ou Anifou au complet. Allô? T'es mignonne, hein? Oui, c'est vrai. Ok, si jamais au courant de la journée dans le vlog de Jessica, vous voyez que mon œil pisse, là. Je pleure pas, ok? Il pisse. Mon œil pisse, ça fait une semaine et demie. Il me gosse. Puis comme ma mère veut que j'aille au médecin, est-ce que j'ai juste ça à faire à aller au médecin? Non. T'as un médecin juste pour ça? Ouais, elle veut que j'aille à la clinique, genre. Mais elle a dit, peut-être qu'il y a un cartilage de pété ou je sais pas. Genre, non, le médecin il va me dire, veux-tu un Kleenex? Fait que j'ai allergie. Moi, c'est des allergies ensemble. Ouais, mais je vais expliquer à tout le monde en même temps que de l'expliquer à toi. Genre. Mon nez, il mouille gluant. Gluant? Gluant, c'est vraiment dégueu. Genre. Il se fait un petit fil gluant partout, là. Je l'arrache, c'est dégueulasse. Puis ça chatouille. Donc voilà, c'est pas des allergies parce que c'est gluant. Ok, bye, je vous aime. Hello! Fait que là, il est rendu 11h30. J'ai fini mon oral, puis oh my god, ok. Je vais vous raconter ça, c'était tellement drôle. C'est un oral qui était comme 15 minutes, comme je vous l'ai dit. Puis
on est lundi matin, 8h, pis tu sais, on est vraiment fatigués. Fait que là, Marie, attends, c'est-tu Marie-Kim? Non, c'est moi. On avait un extrait vidéo à montrer, ok? Fait que là, genre, je clique sur mon lien qui était dans mon PowerPoint. Puis là, ça l'ouvre dans Internet. L'affaire, c'est que le prof, lui, il est toujours Internet ouvert, puis il y a comme 15 vidéos YouTube sur pause parce qu'il nous montre des extraits durant le cours. Fait que là, quand j'ai cliqué sur mon lien, ça l'a ouvert dans la même fenêtre Internet que lui. Là, les 20 vidéos, genre, ont parti en même temps. Là, le son était full fort. On entendait tellement rien. Tout le monde riait. J'étais genre, j'arrêtais pas de rire, puis j'étais pas allée les fermer. C'est le prof qui est venu les fermer. Puis là, après ça, histoire de ma vie. Après ça, je pense que c'est Valérie. Elle accroche l'espèce de... l'écran, là, l'espèce de toile qu'on tire pour projeter les PowerPoints. Elle s'accroche dessus, puis là, ça claque en haut, ça monte, tout le monde rit. Puis là, moi, j'essaie de le redescendre, tu sais. Puis en descendant, il faut comme... y aller sec, genre, pour qu'il tienne, puis pour pas qu'il remonte vite. Ça m'a pris comme 2 minutes, parce que j'étais juste pas capable. Tout le monde riait, j'étais crampée, c'était juste n'importe quoi, là, en tout cas. Allô tout le monde! Fait que là, il est rendu 5h presque. 4h30. Puis, Marie-Kim est en train de se réparer parce qu'elle avait un cours de comme 1 à 3, 1 à 4. 1 à 4. Ben, fait qu'elle est venue. Ouais. Fait qu'elle est venue me rejoindre ici après. Puis là, on parle pas fort parce que mon père est dehors à côté. Fait qu'il faut pas le réveiller. Mais c'est ça. Fait que là, on est en train de se réparer parce que, ben là, je vous l'ai dit, on allait voir si ça finit bien la semaine ce soir. Fait qu'on a passé dans comme une demi-heure. Ça finit bien la semaine un lundi soir. Exactement. Après une journée et un oral, comment dire? Comique. 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 Et c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de garder ce que j'avais aujourd'hui. À part, j'ai remplacé mes leggings par des jeans noirs. Donc, ouais. Des jeans noirs avec plein de petits poils de chat pour voir que j'enlève. Un chandail blanc qui est comme... mignon. Ouais, comme ça, ouvert. Puis mon flore que genre, je capote dessus puis que c'est la vie. Marie-Kim, elle devrait se maquiller. Regardez ses cheveux, genre, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, ouais. Bonjour les amis, rebonjour. Nous nous sommes parlé ce matin à 7h45, je pense. On était dans la classe. Puis là, ben, il est présentement 5h15. Et puis, nous sommes en route, Jessica et moi, vers le Shell, parce qu'on s'en va mettre de l'essence. Parce que sinon, ben, l'auto va arrêter tout seul. Ça va faire genre dans le trafic à Montréal en plus. Oh, ouais. Yeah. Trafic, Montréal, ça prend de l'essence. On veut pas rester pris parce que si on est la RECON. Puis on a souvent la RECON pour beaucoup d'autres raisons. On n'a pas besoin de ça. Oh yeah! Alors c'est ça, on s'en va mettre de l'essence. Fait que là, ben, on voulait juste vous dire hello! Puis on va vous refaire du karaoké dans pas longtemps. Ouais. Quand on va être. Ouais, je vous regarde pas parce que je regarde les yeux sur la route. Bon, j'étais bien. Oh oui, elle a pas ses lunettes. Fait que c'est ça, on va faire du petit karaoké, rentrer sur l'autoroute. Ok, bye, à tout à l'heure les amis, nous vous aimons. Vous avez quoi? Anto Miller, capote sur Beyoncé. Hello Anto Miller, tu capotes sur Beyoncé, c'est pas cool. Nous aussi on aime bien Beyoncé, on fait un petit karaoké juste pour toi. Anto Miller, c'est le best. Ok, on va faire un karaoké juste pour toi. It's like a man away, guys. If you wanna run away, guys. It's the risk I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Just walk my way.
enregistré, fait que c'est moi qui chante en ce moment, là, c'est pas Beyoncé. Ouais, mais Beyoncé, genre, elle essaie de se faire passer pour Jessica, mais comme, en tout cas, je sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon, la chanson est bonne. Est-ce que tu aimes le sexe? Cette chanson-là! Est-ce que tu aimes le sexe? Tu sais, l'activité physique. TVA. Mais là, on n'est pas sûr dans le bon fonctionnement. Parce qu'il y a des gens qui ont comme des papiers verts comme lui. Fait que. Pis si, je veux pas être remorquée, là. Pis comme surtout d'ici à genre minuit, pis. Tu sais. Y'a plus de taux. Mais tu sais, eux, ils ont pas de travailler ici quand même, là. Ah non, ils ont l'air d'être plutôt comme nous, je dirais. Non, je pense que c'est correct, là. Ça doit. Parce on que. On se renseignera. Dans le petit message qu'ils nous ont envoyé pour nous dire de venir, ils nous ont dit. Stationnement accessible par au coin des rues Champlain et Maisonneuve, puis c'est exactement ici qu'on est. Donc, ça ouais. devrait être correct. Alors, nous voilà à TVA. Nous ça allons aller à. Ça finit bien la semaine. Les filles qui sont là-bas sont beaucoup plus chic que nous. Mais. Nous, on est cool. On fait, est bien trop nice. Genre, les gens nous acceptent même si on n'est pas chic parce qu'au moins on est mongol. Bref, en tout cas. Ok, bonjour. Ben, bonsoir, les amis. Il est présentement 11h20, on vient de sortir de TVA. Je suis épuisée, fatiguée, morte. Jessica, elle est excitée, capotée pis tout. Ouais, yo, moi je suis trop hypée, j'avais comme pas dans... Tu me cales pas, tu je vais comme sincèrement pas dormir la nuit, c'était comme la plus belle soirée de ma vie. Faut qu'on te prenne pas, ok? On a une photo avec Marie-Lou et Alexandre Champagne trois fois par jour. On a une photo avec Julie Bélanger, José Godet. On a une photo avec Brian de Star Academy. Avec on a Julie une photo Saint-Pierre. Avec Julie Saint-Pierre. On a une photo avec... T'as une photo avec Dave Morissette. J'ai une photo avec Dave Morissette parce que j'ai croisé comme dans l'entrée de TVA puis j'étais comme okay, yo, YOLO, genre je l'aime trop puis maman l'aime trop. Fait que je vais prendre une photo avec, j'ai demandé puis t'es vraiment nice. Puis là, je suis vraiment trop excitée parce que oh my god, je vais tellement faire ça comme job. Oh my god, je vais tellement travailler à TVA, c'est pas normal. Fait que je vais rêver. Là, il y a un monsieur occupé qui nous regarde. Ah, tu sais, à Montréal, c'est tellement bizarre. Attends, je vais Marie-Kim, raconter. Vas-y, raconte. Genre, on est arrivé sur le numéro rouge, ok, parce qu'il y a un putain de détour pour aller prendre la 720, genre, parce qu'il faut qu'on aille prendre la 720 pour s'en aller chez nous parce qu'on est fatigué. En passant, il est 11h30 du soir, puis on s'éveille comme 6h le matin. Donc ouais. On est vraiment fatigué. Puis genre, j'ai dormi comme 6h cette nuit, ok. Pis on a encore dire fucking longtemps. Ouais.
Bref, là, genre, on est arrêté à la lumière. Mon œil pisse encore, désolé, je le sens qu'il pisse. Puis on est allumé à, on est arrêté à la lumière rouge, puis genre un monsieur qui est dans la voiture d'à côté, il est comme un vieux, qui est comme au moins 45 ans. Là. C'est comme allô, t'es plus vieux que mon père. T'es plus vieux que ma mère! Genre, ma mère a 40 ans. Puis là, genre, ok, il est là, il nous regarde, il nous fixe, puis genre avec son petit sourire en coin. Puis là, il y a des jeunes dehors qui nous fixent pendant que je parle à une caméra. Salut! Ok. Fait que là, genre, il nous fixe. Fait que là, je le regarde, puis je fais genre, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, il me fait un petit signe, genre, allô? Non, non, je te disais pas allô, je te disais, qu'est-ce que tu veux? Là, arrête de nous regarder. J'essaie de le dépenser. Puis là, quand il arrive pour nous redépenser, il regarde Marie, il me fait. Désolée, les amis, je me suis vomi dans la gueule. Désolée pour ma vulgarité. Ok, c'est parce que c'est dégueu. Genre, wesh. Ouais. Puis là, il nous fixe dans son miroir. Arc! Parce qu'il est rendu devant nous. Check son miroir. Dans ah, ben t'as par web. Arc! Oh my god! Désolée, je suis vomi. Mais Marie, il va nous suivre. Oui, non, il est devant nous. Ok, je vais arrêter de le regarder. J'ai peur qu'il nous suive. Mais ouais, on va on a passé une bonne soirée pour ouais, vrai. Vraiment, c'est genre, vraiment on est joyeuses. On est fatiguées, mais la vie est tellement joyeuse. Sérieux, gang, comme si vous voulez voir des artistes, tout ça, là, c'est gratuit. Là. Comme, c'est fou. Allez sur le site internet de Public Cible. Puis comme moi, Marie-Kim, ça fait comme 4 fois là, qu'on genre. Va voir des enregistrements d'émissions. Ouais. C'est vraiment le fun, c'est divertissant. C'est souvent tard, mais tu sais. Sur moi, ça vaut la peine, là. C'est vraiment ouais, ça vaut la peine. Puis tu rencontres plein de monde. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on va dire Bonnie, puis je vais suivre, ben, finir la vidéo avec des photos qu'on a pris les artistes de ce soir parce que c'est trop intéressant et c'est trop fun. Et j'en ai comme un abus sur mon cellulaire en ce moment, donc ouais, oh, une lumière jaune. Donc, c'est ça. Bonne nuit. On vous aime. Cool. Bonne nuit, on vous aime. Vous êtes les meilleurs. La vie est géniale. Puis on va vlogger bientôt ensemble, inquiétez-vous pas.